Aujourd'hui, ma chère épouse soit à Poitiers. Amen. Voilà pourquoi elle n'est pas avec nous aujourd'hui. Amen. Amen. Alors, nous allons écouter une exhortation qui va nous conduire à adorer le Seigneur. Le thème de notre exhortation, c'est Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer? Quand tu vas adorer le Seigneur, parce que Dieu est le même, il ne changera jamais. Amen. Amen. Ce que je vis, ce que tu vis, ne va pas changer Dieu. Amen. Il est toujours le même. Amen. 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 C'est Hébreux 13, verset 8. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Nombre 23, 19 dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Amen. Amen. Tu et moi, nous pouvons dire, je vais te donner ceci. Après, tu ne donnes pas. Amen. Tu et moi, nous pouvons promettre, puis ne pas réaliser. Mais lui n'est pas celui-là. Amen. 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 Dieu, il nous aime.
et il nous aimera toujours. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu as péché qu'il ne va pas t'aimer. Il va toujours t'aimer. Même si tu es en train de pécher, lui, il t'aime. Parce que pour lui, il ne veut pas que tu meures. Amen. Amen. Donc, lui, il peut te frapper parce que tu as péché, mais lui, il t'aime. Amen. 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 Donc, pour ça seulement, tu peux l'adorer. Que ce que tu vives, que ce que je vis, ne nous change pas de façon de voir. Parce qu'il est le même. Amen. Il ne va pas changer. Amen. 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 Ce qu'il promet, il le réalise. Ce qu'il dit, il le fait. Amen. Depuis la création, Dieu a toujours aimé l'homme. Donc il ne va pas changer. Ce n'est pas parce que l'homme aujourd'hui commet de plus en plus de péchés qu'il va changer. Il ne va pas changer. Et ça n'a pas commencé comme ça. Le monde là n'a pas commencé avec toi et moi. Nous sommes venus trouver le monde avec le péché. Mais Dieu, il n'a pas changé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a jamais changé. Ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est quoi? Regardez ce qui se passe. Il fait dans un projet qui va créer l'homme. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Amen. Il fait dans son projet qui va créer l'homme. Mais il crée toutes les conditions possibles pour l'homme. Pour que quand l'homme va venir, qu'il ne souffre pas. Alléluia. Amen. Et jusqu'aujourd'hui, il est toujours comme ça. Amen. Dieu, il a créé les meilleures conditions pour que l'homme vienne et il trouve ça. Pour lui, il ne veut pas que l'homme souffre. Amen. Il veut que l'homme soit en paix, que le monde lui appartienne, qu'il domine. Amen. Papa Tega, si tu peux nous lire Genèse 1, 26 à 28. Genèse chapitre 1, 26 à 28, je lis au nom de Jésus. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. Ce Dieu, il n'a pas changé. Amen. L'homme qu'il a créé, c'est toi, c'est moi. Regardez comment il a commencé au commencement. Comment il a tout mis en place. Amen. Il n'a pas dit, et il a créé l'homme à l'image de Dieu. L'homme à la ressemblance de Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre sur la terre que Dieu a créé qui a l'image à la ressemblance de Dieu? C'est seulement l'homme. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que Dieu a créé ici qui a donné le pouvoir de dominer sur la terre? Il n'y a que l'homme. Dieu a créé les anges. Il n'a pas créé les anges à l'image à la ressemblance de Dieu. Je n'ai pas lu ça quelque part. Quelqu'un a lu ça dans la Bible? Moi, je ne connais pas la Bible. C'est possible, peut-être que c'est écrit. Est-ce que quelque part, on écrit, Dieu a créé les anges à l'image et à la ressemblance de Dieu? Non. Amen. Le Dieu, là, il n'a pas changé. Amen. Amen. Et il ne cache rien à l'homme. Quand tu lis Genèse 2,16, papa, lis ça. Genèse 2,16. Genèse 2. Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Alléluia. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Regardez comment Dieu il est. Amen. Il t'aime tellement, il m'aime tellement que il prévient toujours. Donc si quelque chose nous arrive, ce n'est pas Dieu. Parce que lui, il a déjà dit, regardez les pères, nos pères, avec qui nous vivons, qui disent qu'ils nous aiment. Qu'est-ce qui se passe? Il est une chambre noire, la porte fermée. Tout est caché là-bas. Mais pourquoi il ne peut pas dire que je suis un grand magicien? Si tu rentres dans cette chambre-là, tu verras le serpent, il va te mordre. Il ne te dira pas ça. Il dit seulement, cette chambre-là ne rentre pas. Oh, quand tu dis à quelqu'un, ne rentre pas, il va chercher à découvrir. C'est pas vrai? Amen. Oh, si tu lui dis, si tu rentres là-bas, il y a un bois. L'argent qu'on a là, c'est le bois qui donne. Si tu rentres, le bois est là, il va te mordre. Tu es sûr que la femme va rentrer? Elle ne va pas rentrer. Elle va dire, ah, le bois. Il y a des gens d'abord qui n'entendent même pas parler du serpent. Il y a des gens même quand ils voient un petit serpent, ils commencent à faire pipi. Maintenant, un boa, il ne va pas rentrer. Mais il ne dit pas. Alléluia. Mais Dieu, il te dit. Il n'y a rien qui est arrivé à l'homme que Dieu n'a pas dit. Il dit toujours. Amen. Ça ne fait pas. Ça ne fait pas. Ça ne fait pas. Ça, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Mais malgré ça, malgré qu'il dit ça, l'homme va toujours faire le contraire. Adam et Ève ont fait le contraire. Amen. Mais quand cela ne tienne, il les a seulement chassés. Mais si c'était toi et moi, c'est sûr, ça devait être la fin. Mais il n'a pas, il a seulement chassé. Il les a laissés en vie. Ils ont continué à vivre. Amen. Ils ont continué à vivre. L'homme continue à s'enfoncer dans le mal. Continue à détruire. Mais Dieu, il ne change pas. Amen. Jusqu'à Noé. Il se fâche. Il dit regrette. Pourquoi je l'ai même créé? Il dit je vais détruire l'homme. Alléluia. Mais il détruit. Il laisse quand même Noé. Alléluia. Il laisse Noé. C'est ce qui fait que tu es toujours là. Donc il ne change pas. Amen. Amen. Mais si c'était toi, on allait tout détruire. Mais il laisse Noé. Il dit non. L'homme que j'ai créé, que j'aime tant, je ne laisse pas. Il laisse Noé. Amen. Amen. Noé après, il sort de l'arche. Vous savez ce qui s'est passé. Il boit le même Noé que Dieu avait mis à part. Il commence à commettre des bêtises. Il commence à maudire ses enfants. Il commence à dormir nu devant les enfants. Amen. Mais Dieu ne change pas. Il avait dit, l'arc-en-ciel là, je ne veux pas détruire. Il est resté là. Noé a continué. Noé a continué. Après, le monde a continué à faire plus de mal. Il dit, je choisis maintenant un peuple. Genèse 12. Nous n'allons pas lire. Il a choisi Abraham. Abraham est venu avec ses enfants. Il leur a promis Cana. Ils sont partis, des années et des années sont passées. Comme lui ne change pas, ils sont restés longtemps, longtemps, 430 ans en Égypte. Mais comme lui, il est toujours le même, il ne change pas. Ce qu'il dit, il fait. Ce qu'il promet, il réalise. Quand même après 430 ans, ils sortent de l'Égypte. Ils se dirigent vers Cana. Mais comme lui, il est toujours bon. Il les prévient, il dit, loi et commandement. Voilà comment vous devez marcher. Voilà, si vous marchez comme ça, de succès en succès, de réussite en réussite, de élévation en élévation, regardez Cana, ça est là. Vous allez à Cana, là où coule le lait et le miel. Ils sont partis, malheureusement. Ils sont arrivés en chemin. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Amen. Ils ont excité la colère de Dieu. Parce que Dieu a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ils vont faire un veau d'or. Donc quand tu fais le veau d'or, ça dit que
là tu provoques Dieu au niveau où il va te détruire. Si bien que là-bas il avait dit il va détruire ce peuple. Mais il n'a pas détruit. Alléluia. Amen. Dieu, il est toujours le même. Je ne te conseille pas de pécher, mais je veux seulement que tu comprennes que Dieu est toujours le même. Pour ça, voilà pourquoi tu dois l'adorer. Parce que malgré les péchés là, il est toujours là. Il attend que toi tu changes. S'il te frappe, c'est pour que tu changes. Dites-moi, les papas et les mamans sont ici. Quand un enfant fait la bêtise dans la maison, tu fais quoi? Une chicotte, non? Mais c'est ce que Dieu fait. Quand toi tu fais ça, c'est pas pour que l'enfant change. À ce que Dieu aussi nous fait, c'est pour qu'on change. Alléluia. Quand vous lisez ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël, il a créé beaucoup de situations pour qu'ils se repentent, ils changent. Aussi longtemps qu'ils continuaient, ils continuaient aussi à faire. Jusqu'à ce qu'ils se repentent et ils se repentent. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne va pas changer. Alléluia. Amen. Alors, ils ont marché. Mais 40 ans s'est écoulé dans le désert. Tant bien que mal, ils sont arrivés à Canaan. Parce que Dieu avait dit, vous allez partir l'Égypte. Et il avait dit à Abraham, je donnerai ce pays à ta postérité. Ils sont arrivés après plus de 430 ans. 430 ans en Égypte, plus 40 ans dans le désert, ils arrivent quand même à Canaan. Moi, je veux seulement te dire, toi adore seulement Dieu. Amen. Tu n'as pas compris. Amen. J'ai dit, toi adore seulement Dieu. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi adore seulement Dieu. S'il t'avait dit qu'il y a Canaan là-bas, toi tu vas arriver à Canaan. S'il avait dit que même si tu es malade là, même si tu es malade, on avait déjà dit que toi tu vas mourir. Si lui l'avait dit que toi tu ne vas pas mourir, toi tu ne vas pas mourir. S'il a même dit, si on a dit que même si le médecin a dit, toi tu ne vas pas mettre au monde. Si lui il a dit que tu auras un enfant, tu auras toujours un enfant. Ce que tu es en train de vivre là, c'est comme les enfants d'Israël, ils étaient en train de partir. Alléluia. Amen. Ils sont arrivés à Cana. Alléluia. Amen. Cana pour toi. Cana pour eux, c'était la terre promise. Cana pour toi, c'est peut-être le mariage. Cana pour toi, c'est peut-être les enfants. Cana pour toi, c'est peut-être le travail. Cana pour toi, c'est peut-être l'élévation. Cana pour toi, c'est peut-être la guérison. Cana. Ça, c'est seulement la première étape. Alléluia. Amen. Dieu, il était toujours là. Il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire de ce peuple? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Alléluia. Amen. Ça, c'est la première étape. C'est sûr que toi aussi, tu es arrivé là. Mais peut-être que tu n'es pas arrivé. Alléluia. Amen. La première étape. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Nous allons lire Genèse 3 pour passer à la deuxième étape. Papa, regardez-nous Genèse 3. Chapitre 6. Verset 3, je lis au nom de Jésus. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Amen. Amen. On acclame Jésus. Amen. Amen. C'est Dieu qui dit, quand il s'est rendu compte que l'homme a tellement péché, il a dit, bon, terminé. Allez, après 120 ans, l'homme meurt. Alléluia. Mais l'homme meurt. Si l'homme meurt, on est en terre, non? C'est-à-dire la terre part à la terre. Maintenant, l'esprit doit aller où? Alléluia. Oh, l'esprit là, Dieu chérit ça. Tu n'as pas compris. Amen. L'esprit là, Dieu chérit ça. Il s'est dit, tant mieux, la chair là, que ça à la terre. Mais l'esprit, qu'est-ce que je veux faire? Que cet esprit va aller à l'enfer? Non, je ne veux pas. Et pour, comme il aime tellement l'homme, il dit non, il faut que je trouve une solution. Qu'est-ce que je vais faire? Vous savez quoi? Même dans le péché, tu peux avoir l'argent. Amen. Tu peux voler pour avoir l'argent, devenir très riche.
Amen. Tu peux te marier même dans le péché. Tu peux avoir les enfants même dans le péché. Tu peux devenir célèbre même dans le péché. Tu peux dominer le monde même dans le péché. Tu peux. Amen. Tu peux utiliser toutes les manières possibles pour devenir grand dans ce monde. C'est bien. Mais la deuxième étape. Alléluia. Parce que là-bas, c'est pas comme ça. La deuxième étape, c'est quoi? L'esprit là doit aller où? Alléluia. Il y a seulement deux chemins. Où c'est l'enfer? Où c'est? Le ciel. Alléluia. Il dit non, j'aime tellement l'homme. Je ne peux pas l'abandonner. Quelle solution je vais trouver? Il dit, j'envoie seulement mon fils. Amen. On acclame Jésus. Amen. Parce que cette étape-là, il faut seulement Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Papa, tu vas lire. Matthieu 1, 28 et 18 à 21. Je lis Matthieu 1, verset 18 à 21, au nom de Jésus. Amen. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Amen. 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 Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son péché, son peuple de ses péchés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas changé. Regardez comment il est resté fidèle. Il restera toujours fidèle. Amen. Alléluia. Il a vu, il a dit, le péché, il n'y a pas moyen. Ils sont à Cana. Mais après Cana, ils iront où? Après le lait, le miel, tu iras où? Après le mariage, tu iras où? Après le travail, tu iras où? Tu iras où? J'irai où? Voilà pourquoi Jésus est là. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier aujourd'hui. Parce que ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il promet, il doit le réaliser. Amen. Amen. Et Jésus est venu. Parce qu'ici, il n'y a pas moyen. Impossible. Il faut une robe blanche. Oh, la robe blanche. C'est comment? Il faut passer par Jésus. Amen. Parce que c'est lui qui va te montrer le chemin. Il n'y a que lui. Amen. Amen. Nous allons lire Jean 14, verset 2 à 3. Jean chapitre 14, verset 2 à 3, j'ai lu au nom de Jésus. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. Tu n'as pas acclamé. Amen. Voilà. Le Dieu là, il n'a pas changé. Amen. Donc, le Dieu là, il nous aime. Amen. Donc, ce que nous vivons, ça ne doit pas te tourmenter. Toi, adore seulement Dieu. Toi, crée seulement le péché. Toi, cherche seulement à fuir le péché. Parce que lui, il est là pour que toi, après avoir bénéficié de tout là, que tu termines là-bas.
Dieu, Jésus est en train de préparer une place. Il a déjà préparé une place pour toi. Voilà pourquoi toi, en principe, tu devrais seulement l'adorer. Amen. Alléluia. Toi, tu dois seulement l'adorer. Amen. Tu dois seulement l'adorer. Parce que lui, papa, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il avait promis aux enfants la Cana. Ils sont arrivés à Cana. Malgré les obstacles, ils sont arrivés à Cana. Amen. Il a dit aussi, son fils est arrivé, il a préparé les apôtres, il a dit, je suis parti, je vais préparer une place. Donc il y a une place qui t'attend, il y a une place qui m'attend. Voilà pourquoi toi tu dois l'adorer. Parce que la place t'attend. Même si il y a le COVID-19, la place t'attend. Même si la maladie, la place t'attend. Voilà pourquoi toi tu dois l'adorer. Il ne changera jamais. On attend Jésus. Amen. Amen. Ne sois pas comme les autres personnes. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Amen. 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 Avant de prier, nous allons lire. Psaume 82, verset 6, dit ceci. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Amen. On acclame Jésus. Amen. Dieu n'a pas changé. Il n'a pas dit à tout le monde. C'est à toi qu'il a dit. Amen. Amen. Voilà pourquoi toi et nous allons l'adorer. Parce que lui ne va pas changer. Même s'il a le Covid, lui il ne va pas changer. Amen. Amen. Depuis que le monde existe, ça a été toujours comme ça. Dieu ne changera pas. Ce qu'il t'a promis là, tu vas vivre. Tu vivras ça. Et ce qu'il a promis là, toi tu vas vivre. La demeure là est en train d'attendre. Adorons l'Éternel. Thank you.
Pour l'être humain,
que tu as créé à ton image selon ta ressemblance. Tu es allé à la croix pour moi, Seigneur. Tu es allé à la croix pour moi, Seigneur. Voilà la raison de mon adoration. Voilà le sujet de mon adoration. Tu es allé à la croix pour moi, raison pour laquelle je t'adore. Je suis né pour t'adorer, Jésus. Je suis là pour t'adorer, Papa. J'existe pour t'adorer, Seigneur. Tu as fait pour moi ce que l'homme ne peut faire. Tu as fait pour ma maison ce que l'homme ne peut faire. Tu as fait pour l'être humain ce que l'homme ne peut faire. Reçois l'adoration, Seigneur. Reçois l'adoration, Papa. Reçois mon adoration. Tu as pris mes ténèbres, Jésus. Tu as pris mes abominations, Jésus. Tu as pris la place du prisonnier que j'étais. Tu as pris la place du mort que j'étais. Car le salaire de mon péché, c'était la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Tu as pris ma place, Jésus.
Amen. On acclame Jésus, on acclame Jésus, on acclame Jésus.